Salut, c'est Jennifer, on se retrouve pour les 3 mois de Christelle. On va faire un coaching cardio aujourd'hui avec elle, mais avant, on va lui demander comment s'est passée sa semaine. Salut Christelle. Salut Jennifer. Comment vas-tu? Ça va. Ta semaine? Alors, j'ai eu 15 jours un peu difficiles, une maladie, donc du mal à faire du sport, voilà, fatiguée. Très fatiguée, d'accord. Et puis, nous, on s'est vus après, donc du coup, voilà, ça a relancé la machine et c'est reparti, je suis motivée, donc voilà. Motivée, tu remontes la pente? Ouais. Ouais, voilà, t'as un peu de courbatures? Ouais, j'ai des courbatures, ouais. C'est pas grave, ça va partir avec la séance d'aujourd'hui. Ok. Alors, aujourd'hui, on va faire une séance de cardio, d'accord. Donc, le cardio, en fait, ça enlève les courbatures. Pour la petite histoire, si vous avez des grosses courbatures, faites un footing le lendemain, il n'y a plus de courbatures. C'est véridique. Okay. Donc aujourd'hui, ça va effacer toutes tes courbatures, ok? Mais c'est une séance de cardio qui monte en grade. Donc ça va être très très intense, simple et efficace. On commence par l'échauffement? Ça marche. Alors c'est parti. Le circuit aujourd'hui, c'est pas vraiment un circuit en fait. C'est un exercice de cardio où tu vas rajouter à chaque fois un exercice de renfo derrière. D'accord. Donc ça va faire cardio, renfo, cardio, renfo, renfo, cardio, renfo, 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 etc. Jusqu'à ajouter 5 exercices derrière. Okay, ok. Ça change un petit peu du circuit où on tourne comme ça. Le premier exercice cardio va se faire avec un nouvel élément, l'échelle au sol, qui est juste ici. Alors, cette échelle, t'en as pas vraiment besoin. Si à la maison vous n'avez pas d'échelle, c'est pas très grave, vous pouvez faire la même chose que nous. Alors, tu vas partir de là-bas et on va faire un aller en sautant. Hop, 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 comme si tu faisais un petit footing. D'accord. D'accord. Tu vas te retourner et quand tu vas revenir, tu vas faire extérieur, petit squat, intérieur, extérieur, intérieur. À ton rythme. D'accord. Soit tu peux le faire vite comme ça, soit tu peux le faire plus lentement. Parce que l'exercice va durer 1 minute 30. D'accord. Ok. D'accord. Allez, tranquille. Hop, tu reviens. Extérieur, intérieur. Ok. Ça va? Oui. Une fois que tu as fait ça, le premier, je veux que tu me fasses ici 30 secondes de squat. D'accord. Les squats, on les connaît. D'accord. Ici, tu écartes les jambes. N'oublie pas de mettre les pieds légèrement vers l'extérieur pour okay. avoir les genoux au-dessus. Et tu fais ton squat. Si tu peux me faire une demi-pointe, c'est parfait. D'accord. D'accord, 30 secondes. Re 1 minute 30. Re-squat. Ici. Et tu vas me rajouter le gainage. D'accord. D'accord. Le gainage, on le connaît par cœur. Hop. Tu te mets bien en planche. Bien les épaules au-dessus des coudes. D'accord. D'accord. 30 secondes. 1 minute 30. Tu vas l'adorer celui-là. Squat, demi-pointe, gainage, et ensuite on fait squat, enfin une chaise, d'accord, tu restes en statique. D'accord. D'accord, en squat pendant 30 secondes, tu bouges pas. D'accord. Juste tu respires, tu récupères. En 1 minute 30, squat, tu appuies en pouvoir après, gainage, d'accord, la chaise, et là tu me fais des burpees, d'accord, tu descends. Ici, tu sautes en arrière, tu remontes et tu sautes ici. D'accord. D'accord. Okay. Si tu ne te sens pas de sauter, c'est pas très grave, tu poses, tu envoies un pied en arrière, l'autre pied en arrière, tu reviens, hop, et juste tu montes. D'accord. Ça va? Oui. Ok, tu refais 1 minute 30. Tu vas adorer. Tu refais des squats, 30 secondes, avec la demi-pointe, pardon. Tu me fais 30 secondes de gainage, 30 secondes ici en squat statique. Ensuite, tu me fais, on a dit quoi? Les burpees que tu viens de faire. Et le dernier exercice, donc le cinquième, c'est le shadow. Ok, mon préféré. Ok, ton préféré. Mais là, il n'y a pas de poids pendant 30 secondes. Hop. Voilà, petit footing. Yes. Ça va? Ça va.
Ok, positionne-toi en squat, serre tes abdos et on est parti, 30 secondes. Hop, allez, et demi-point, c'est bien. N'essaye pas de faire ta demi-pointe avant. Tu vas tout prendre dans les mollets. D'accord. D'accord. Fais ton squat, tu remontes bien les talons par terre. D'accord. Et là, tu fais demi-pointe. D'accord. Ok, c'est plus dur ce que tu fais toi en fait. D'accord. Ok, okay. Tu me dis quand t'es prête, on fait le deuxième. Donc le deuxième, la même chose ici, les squats. Oui. Et 30 secondes de gainage. Ok. Ok. Allez, tu écartes, tu souffles. Tu souffles. Voilà. Serre bien tes abdos quand tu le fais. On est parti pour les squats. Et relâche. Quand tu pars en avant, c'est que tu serres pas assez tes abdos. D'accord, d'accord. T'as eu un moment où t'as dû relâcher. C'est okay. Parti. Allez, lâche pas. Baisse un tout petit peu. Parfait les épaules. Serre bien tes abdos. Ok. Ça va? Ouais. On prend des couleurs encore? Ouais, ça m'étonne pas. Allez, bois un coup. Respire. Tu me dis quand t'es prêt. C'est parti. Allez. Stop. Ok, place-toi pour les squats. Serre bien tes abdos quand tu fais les squats. Ok. Ok. On est parti? Oui. Allez. Oui. Voilà. Prends le temps de respirer un peu. C'est parti. Voilà. Alors, redresse-toi un tout petit peu. Tu peux remonter. Voilà. Alors, Christelle, on enchaîne? On enchaîne. Squat, gainage, chaise. Burpees. Ok. Après, il n'y en aura plus qu'un et ce sera fini. C'est parfait. Tu auras fait une super séance. Vas-y, à toi. C'est parti. Allez. Place-toi en gainage. Go. Alors, comme tout à l'heure, place. Quand vraiment tu sens que t'en veux plus, c'est pas que c'est plus facile, mais au moins tu remontes. Ok. T'as l'impression dans ta tête. Ouais. Ça va finir. Tu me dis. C'est bon. Go. Parfait. Alors les burpees, pars d'ici, parce que c'est les jambes que tu envoies en arrière. Ok. Ok? Ouais. C'est parti? C'est parti. Allez, go, 30 secondes. À ton rythme. Ben, c'est comme une crème. Ouais. Ah, super! Le dernier. Le dernier. Tac, tac, tac. Si tu peux le faire un peu plus plié, du coup, comme je te okay. le disais. D'accord? D'accord. Ici. Et le reste, on ne change pas, sauf qu'à la fin. Tu me fais du shadow. Allez, hop, on descend. Le gainage. La chaise. Les burpees. Hop. Alors, t'es fatiguée, je préfère que tu fasses pas les sauts. D'accord. D'accord. Ok. Tu me dis. C'est ok. Go.
Allez, reste le shadow. 30 secondes. T'as pas les poids là. Ouais. Donc va jusqu'au bout, lance bien tes épaules. Ok. Ok. Super Christelle. Merci. Très bonne séance. On va faire un échauffement. On recommence, non? Un étirement rapide. D'accord. Ah, vas-y, bien. Allonge-toi. Alors Christelle, tes sensations? Très bien. Très bien. Je sens que j'ai moins de difficultés. Donc voilà. Et tu as vu combien de planches tu as fait de 30 secondes là? Ouais. T'en as fait 5. Ouais. D'accord. Par rapport aux premières séances où tu tenais 15 secondes. C'est vrai. T'imagines l'évolution? Ça fait 3 mois. Hein. Oui. T'as fait 5 planches de 30 secondes. Ouais. Imagine. Comment tu as fait une progression énorme. Donc franchement, continue comme ça. Bah, c'est aussi grâce à toi. Non, c'est grâce à toi. Alors, concernant ton entraînement, je sais que tu as été malade, ouais. Donc il faut vraiment que tu continues là dans la semaine qu'on a fait. On t'a fait 3 séances. Alors, tu ne vas pas faire 3 séances comme ça dans la semaine, mais continue tous les jours tes abdos, d'accord, de 5 minutes, vraiment reprends-les. Oui. Après, il faudrait que tu fasses plus de cardio que de renfola. D'accord. Tu te remettes dans le cardio vraiment, vraiment, d'accord. vraiment. Et on réintroduira du renfola après. Donc, je préfère que tu fasses 3 séances de cardio, ouais. Courir, les séances des fitness masterclass, et une séance de renfo dans la semaine. D'accord. D'accord. Mais fais quand même un peu de renfo. Ok. Et si tu peux rajouter une demi-heure de stretching dans ta semaine. On a fait une fitness masterclass de stretching qui dure 20 minutes. Voilà, ça suffit. D'accord. Mais pas les jours où tu fais du sport. D'accord. D'accord. Séance, Par exemple, le dimanche, on dit que c'est le jour off, tu fais 20 minutes de stretching. Ok. D'accord. D'accord, très bien. Donc on a dit 3 séances de cardio, une séance de renfo avec les fitness masterclass, abdos tous les jours et 20 minutes de stretching d'accord. en off. Okay. Ok, très bien. Et là, ce sera super, ça va vraiment te remettre dedans ouais. et on repart pour les 3 mois qui arrivent. Ouais. Ok. On est à la moitié, donc on tient le coup. Exactement, et franchement, déjà la moitié s'est super bien passée, okay. donc je pense que l'autre moitié, ça va être encore mieux. Ça ok, marche. Merci beaucoup merci Christelle. De vous faire. On se retrouve nous la semaine prochaine. Oui. Ok. Ça. Et nous, on se retrouve très bientôt sur Doctissimo Maman. Salut. Ciao.